Une page se tourne pour l'univers Walking Dead, on en parle tout de suite dans l'hebdo des comics. Une page se tourne effectivement pour l'univers Walking Dead, mais rassurez-vous, elle ne se tourne pas tout de suite, car en effet, la série principale de cet univers, The Walking Dead, va se terminer. The Walking Dead, c'est la toute première série adaptée de comics de l'ère actuelle qui est un véritable âge d'or des séries et des adaptations de comics en général. Et après avoir été débuté en 2010, on sait maintenant que The Walking Dead, suite à une annonce de la chaîne américaine AMC, se terminera avec sa saison 11. Donc voilà, c'est pas encore tout de suite, mais comme ça, on est prévenu. Parce que pour rappel, The Walking Dead diffusera l'épisode 16 de sa saison 10 le 4 octobre prochain. Épisode 16 qui était censé être le dernier épisode diffusé en avril, qui avait été reporté à cause du coronavirus, et qui sera finalement pas le dernier épisode. 6 autres épisodes ont en effet été commandés et seront diffusés sur AMC début 2021, et c'est seulement après que nous aurons la saison 11, qui débutera du coup en automne 2021. Et quand je vous dis que ce n'est pas tout de suite, la saison 11 sera une saison extra longue, vu que contrairement aux 16 épisodes habituels des saisons de Walking Dead, la saison 11, la dernière saison, sera composée de 24 épisodes. The Walking Dead se terminera donc officiellement dans la première moitié de l'année 2022. Une page se tourne certes, mais ce n'était pas la dernière page, car si un chapitre se clôt, il y en a un autre qui commence. AMC en a fait annoncer deux nouveaux spin-offs pour cet univers Walking Dead. Donc en plus de The Walking Dead World Beyond, la nouvelle série qui commencera le 4 octobre, on sait qu'il y aura aussi une autre nouvelle série, Tales of the Walking Dead. Cette série sera une anthologie, soit épisode par épisode, soit sur certains arcs d'épisodes, et se centrera sur des personnages individuels, soit des tout nouveaux, soit même des personnages qui sont tombés lors des saisons précédentes. Cela pourrait ainsi nous permettre d'en savoir plus sur le background de certains personnages apparus dans The Walking Dead ou Fear the Walking Dead, voire The Walking Dead World Beyond, ou ce serait même la possibilité de pouvoir explorer des parties du monde qui n'ont pas encore été explorées jusque-là. Style, voir comment le virus s'est répandu en Asie ou même en Europe par exemple. Et à côté de cette anthologie qui reste au final assez énigmatique, il y a un deuxième spin-off qui lui n'a pas encore de titre, mais il se centrera sur Carol et Daryl. Le spin-off continuera effectivement l'histoire de Carol Peltier et Daryl Dixon, interprétés respectivement par Melissa McBride et Norman Reedus, après la fin de The Walking Dead. C'est la showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, qui prendra le flambeau de cette série-là. Cette série spin-off servira en quelque sorte de continuation de The Walking Dead. Donc il ne faut sans doute pas attendre cette série avant fin 2022. Du côté d'autres manières innovantes de raconter des histoires sur les comics indépendants, la série The Boys a frappé pas mal cette semaine en sortant le court-métrage sur Billy Butcher. Le court-métrage ne fait que 5 minutes et il s'agit en réalité d'une compilation des scènes coupées sur Billy Butcher, incarné par Carl Urban, expliquant ce qui s'est passé entre la première et la deuxième saison, offrant ainsi donc pas mal de lumière sur ce qui s'est passé dans les premiers épisodes déjà de cette deuxième saison de The Boys. Enfin, on va terminer sur une mauvaise nouvelle vu que le film Wonder Woman 1984 est reporté à nouveau. Énième changement de date effectivement pour Wonder Woman 1984 qui devait sortir fin de ce mois et finalement le film est reporté à Noël. Apparemment, Warner Bros. Voulait donner plus de temps et plus d'espace à Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, qui est également évidemment produit par Warner Bros., avant la sortie de ce blockbuster qui est Wonder Woman 1984. Du coup, il faudra maintenant attendre quelques mois de plus, mais le film devrait bien sortir cette année. La semaine prochaine, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part un nouvel épisode de The Boys vendredi sur Amazon Prime. Sans oublier que ce soir, dès 19h, nous avons le deuxième DC Fandom Explore the Multiverse qui devrait nous donner pas mal d'infos sur les séries de DC. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Que pensez-vous de ces changements pour l'univers Walking Dead, la fin de Walking Dead, le début de deux nouvelles séries? Êtes-vous triste que Wonder Woman 1984 soit à nouveau reporté? Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines infos. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.